Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un plaisir de vous retrouver ici, puisque ce n'est pas la première fois que je viens tenir le crachoir. L'année dernière, comme ça a déjà été mentionné par Madame Dubosson, nous avons pu commémorer le 175e anniversaire de la structure fédérale de notre pays et celui de sa constitution de 1848. Cette année, nous pouvons nous souvenir de la révision totale de celle-ci en 1874. Et cette même année, il y a donc 150 ans, fut celle de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'organisation militaire du 12 novembre 1874, qui fut un pas décisif, mais pas encore abouti, parce que chez nous on va tranquillement, calmement, vers l'idée d'unification de la défense nationale. Et il fallut attendre 1907 pour avoir enfin une armée fédérale cohérente. Ce que j'aimerais vous montrer ce soir, c'est comment, particulièrement au cours du 19e siècle, le passage des milices cantonales à une véritable armée fédérale a été long et laborieux, donc typiquement suisse. Étant donné que nous vivons dans un état de droit, c'est toujours la législation qui a dicté les développements de l'organisation militaire, et non le contraire. Et nous savons à quel point les changements législatifs sont dépendants de très nombreux facteurs et de très nombreuses influences. Permettez-moi, cependant, de faire un saut en arrière, sous l'Ancien Régime. Les différents pactes, autrement dit, vous connaissez le pacte de Grütli, 1291, le pacte de Brunnen, 1315, ou plus tard ce qui s'appelait les convenants, le convenant de Sempach en 1393, le convenant de Stans en 1481, liaient les cantons entre eux et ils dataient de l'époque médiévale. Ils ne réglaient que l'accord de se prêter une assistance mutuelle et ce à quoi on s'astreignait durant l'engagement commun, mais sans régler précisément les modalités de la mise sur pied. Et vous voyez par exemple ici où on cite l'aspect de céder réciproquement, il n'est jamais question dans ces pactes ou dans ces convenants de défendre l'ensemble des cantons suisses. On venait toujours se prêter assistance pour défendre un des cantons qui était mis en péril. C'est dès le XVIIe siècle que l'organisation militaire de l'entraide est un peu mieux réglée, les cantons, en tout ou partie, signent ce qu'on appelle à ce moment-là des défensionnaux, des alliances conclues pour défendre la Confédération dans son ensemble. Le défensional de Ville, 1647, fixe des contingents cantonaux et établit un conseil de guerre dans lequel chaque canton est représenté par un officier pour piloter le tout. Le défensional de Baden, en 1668, va plus loin en affectant à ce conseil de guerre un représentant politique et un militaire de chaque canton, créant ainsi une première forme de gouvernement collégial pour les situations de péril. Mais la séparation confessionnelle qui se développe en Suisse au XVIIe et au XVIIIe siècle, elle restreint cette évolution. Et le défensional de Baden, renouvelé pourtant en 1792, ne fut que peu d'efficacité lors de l'invasion des armées révolutionnaires françaises en 1798. Dès la chute de l'Ancien Régime, le pays dut subir à la fois l'occupation française et la mise en place d'un régime républicain. La constitution helvétique du 12 avril 1798 fut établie sur le modèle français, c'est pourquoi on l'appelle aussi la constitution de Paris, de manière similaire aux jeunes républiques bataves et cisalpines qui avaient été fondées à peu près à la même époque. Cette constitution comportait 107 articles dont je retiendrai que le système était définitivement centralisé et que les cantons en tant que tels n'étaient plus que des subdivisions administratives.
Et de ces 107 articles, 5 seulement sont consacrés plus spécifiquement aux aspects militaires. En bref, l'obligation de servir, soit dans un corps permanent, soit dans une milice. Donc on ne pouvait pas régler beaucoup de choses en 5 articles, il manquait donc des aspects organisationnels. Mais avant même de pouvoir y travailler, il fallut agir dans l'urgence. En mai 1798, les forces de la deuxième coalition menacèrent la frontière nord. On mit sur pied une force militaire, 3 compagnies à 100 hommes, 30 canonniers, 30 chasseurs à cheval, 30 chasseurs à pied et 3 canons. Prise quasiment copier-coller sur l'ancienne organisation de Bâle. Le 4 septembre 1798, on décida la formation d'une légion helvétique. 1500 hommes, 600 pour l'infanterie, 400 chasseurs à pied, 400 hussards et 100 canonniers. Et tenez-vous bien, c'était une troupe permanente, destinée avant tout à assurer l'ordre intérieur, mais elle fut engagée par la suite, de facto subordonnée à l'armée française d'Helvétie, durant la campagne de 1799. Le 13 décembre 1798, une loi sur l'organisation de la milice visait à doter la République helvétique d'une armée, soit 18 000 hommes à fournir par les 6 arrondissements militaires. Celle-ci s'avéra quasiment inopérante durant les combats de 1799. Elle fut démantelée au mois d'août. Le Parlement décida par la suite de créer une armée permanente de 6500 hommes, mais cela ne fonctionna que partiellement, parce que le recrutement de cette armée entrait en collision avec les levées au profit des armées françaises. Ce sont finalement les dissensions internes, les révoltes, quasi en état de guerre civile, qui entraînèrent la chute de l'Helvétique. Cette République helvétique, en déliquescence, alerta le premier consul français Napoléon Bonaparte, qui fit une proclamation le 30 septembre 1802. Dans les grandes lignes, vous offrez depuis 2 ans un spectacle affligeant. Le sang suisse a coulé par des mains suisses. Je serai donc le médiateur de vos différends. Il convoqua une consulta à Paris du 10 au 12 septembre 1802. Il écouta les uns, il écouta les autres. Et sur cette base, il proclama son acte de médiation le 19 février 1803. Et celui-ci valut dès lors comme nouvelle constitution pour les cantons suisses. Cet acte de médiation comprend 40 articles, dont 5 concernaient la chose militaire. Brièvement, les cantons, autrement dit les 13 anciens et les 6 nouveaux, fournissent des contingents de troupes soldées, alors c'est-à-dire, dans le sens là, c'est soldé, ça veut dire salariés et permanents, ou de milices. Ils sont limités dans leurs options militaires. Seule la diète peut décider d'une levée fédérale et désigner le général. La mise en œuvre de ces articles, autrement dit l'organisation militaire de la médiation, se fait par le biais du règlement militaire général du 20 juin 1804, lequel sera révisé le 5 juin 1807. C'est de facto la première loi fédérale d'organisation militaire. Elle compte 11 articles, soit pour l'essentiel des contingents dépendant des cantons mais devenant fédéraux lorsqu'ils sont convoqués, la constitution d'un état-major fédéral et l'instruction dans les cantons selon des directives provenant de la diète. Et une quantité d'annexes et de tableaux réglant la constitution de ces contingents, de l'état-major fédéral, des armes, ainsi de suite.
Ce règlement militaire était très détaillé et il allait beaucoup plus loin dans ses précisions que ne le prévoyait l'acte de médiation. Napoléon, devenu entre-temps empereur, s'en offusqua d'ailleurs en disant que, je cite, « les cantons suisses profitent de l'indépendance et de la neutralité que je leur ai généreusement accordée pour organiser une armée qui pourrait, le cas échéant, agir contre nos intérêts. » Fin de citation. La mise en œuvre ne fut toutefois que partielle, les cantons étant réticents et les levées en masse de l'armée française à laquelle la Suisse devait fournir des troupes, érodant les effectifs. Toutefois, dans cette période-là, plusieurs règlements d'exercice et règlements de campagne furent émis pour améliorer l'instruction. Et cela permit d'avoir un certain succès lors des mises sur pied de 1805, de 1809, de 1813 et de 1814 pour la protection de la neutralité. En 1813, la 6e coalition met les armées de l'Empire français en grave difficulté et pousse vers l'ouest, au-delà du Rhin. Le 18 décembre, la Suisse proclama sa neutralité, laquelle est violée par des armées autrichiennes. Le 28 décembre 1813, une assemblée fédérale réunie à Zurich dénonce l'acte de médiation. Le 29 décembre, une alliance provisoire entre les cantons est établie sur la base des anciens pactes. Il restait à tirer parti des expériences de l'Helvétique et de la médiation, il ne fallait quand même pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pour donner une nouvelle constitution à la Confédération restaurée. Mais les cantons, surtout les anciens, et Madame Dubosson l'a déjà dit, voulaient surtout retrouver leur autonomie et leurs privilèges, voire une partie de leurs anciens territoires. Il fut donc difficile de se mettre d'accord, et les discussions s'éternisèrent dans une longue diète, c'est son surnom, d'avril 1814 à août 1815. Il en résulta le pacte fédéral de la Confédération suisse, ce dernier terme Confédération suisse apparaissant pour la première fois, du 7 août 1815. Celui-ci comportait 15 articles, on l'a déjà dit, dont 4 concernaient la défense et l'armée. L'article 1, les 22 cantons souverains de la Suisse, c'est-à-dire inclus Valais, Genève et Neuchâtel, se réunissent pour le maintien de leur liberté et de leur indépendance contre toute attaque de l'étranger. Avant, on disait, ils s'aident mutuellement, cette fois on dit, ils se mettent ensemble pour se protéger collectivement. Article 2, un contingent de troupes sera formé dans la proportion de 2 soldats pour 100 âmes. Ces troupes seront fournies par les cantons comme suit, blablabla, soit un total de 32 886 hommes. Article 3, le financement de ce contingent pour les engagements communs sera pris ensemble par la collectivité. On va donc créer une caisse militaire. Et quatrièmement, il y a une obligation d'assistance militaire réciproque. Ça n'est plus à choix. On décide d'aider tel ou tel autre canton, l'engagement est obligatoire. Malgré tout, les cantons restèrent très indépendants dans la mise en œuvre de ces mesures, et notamment pour la mise à disposition ou non de leurs contingents, ainsi que pour la quasi-totalité des autres domaines. En parallèle, le rapport du général Niklaus Franz Bachmann sur la campagne de 1815 montra les lacunes du régime encore en vigueur depuis 1807. Il fallait donc organiser le volet militaire adapté au nouveau pacte fédéral et aux expériences faites sous la médiation. Une commission formée des représentants des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Bâle et Argovie fut formée, appuyée par le quartier-maître général Konrad Finzler et le commissaire des guerres en chef Niklaus Heer. Il en sortit le règlement militaire général pour la Confédération suisse, daté du 20 août 1817. Ce règlement est très détaillé
afin d'éviter des malentendus ou des divergences dans les cantons chargés de la préparation des contingents et afin d'assurer l'efficacité de l'armée mise sur pied. Ce règlement contenait 14 bases générales de l'organisation militaire fédérale. En résumé, l'obligation de servir, mais attention, obligation de servir selon les besoins. Donc tous les citoyens étaient obligés de servir, mais si on avait besoin que de 200 hommes, ben, on prenait 200 hommes, puis les autres étaient libérés des obligations. Maintenant, c'est le contraire qui se passe. Les cantons recrutent, équipent, instruisent leurs contingents fédéraux et leurs propres milices. Un état-major fédéral est constitué, un commandant-en-chef est nommé par la Diète en cas de mobilisation, et le système militaire de la Confédération devait, je cite, « rester aussi simple que possible et écarter toute dépense inutile ». Bon, d'accord. Ces bases étaient suivies de 160 articles détaillés. Je pense que c'était pour rester simple, avait dit les bases. Dans l'article 1 à 10, on traite de la composition de l'armée fédérale. Les cantons doivent fournir des contingents, comme on l'a déjà dit, 2% de la population, mais sont à fournir sous forme de compagnie et de bataillon. L'articulation en brigades et divisions et le commandement supérieur sont émis par l'état-major fédéral. Dans les articles 11 à 15, on parle du personnel permanent de l'état-major fédéral. Alors il y a un colonel quartier-maître de la Confédération qui est en charge d'être le chef d'armes du génie, chef des travaux topographiques, superviseur de l'instruction et responsable des préparatifs d'armement. Alors vous gardez ça quelque part dans un coin de la tête, mais vous qui êtes les parfaits connaisseurs de Dufour, ça doit sonner quelque chose que vous connaissez. On compte là-dedans un colonel inspecteur de l'artillerie de la Confédération. L'artillerie, c'était quand même l'arme savante, donc il fallait mettre un inspecteur pour contrôler ça. Chef d'armes de l'artillerie et surtout lui qui avait le contrôle de l'acquisition et de l'entretien des armes par les cantons. Et puis un colonel commissaire des guerres, un chef de la Confédération, responsable de la solde, du ravitaillement, du service sanitaire et du service vétérinaire. Ces trois colonels constituaient le noyau de l'état-major fédéral, auquel on adjoignait un nombre indéterminé de colonels de la Confédération, ou colonels fédéraux si vous voulez, mais il devait y en avoir au maximum 30, mais plus en cas de mobilisation. Et c'est parmi ces officiers fédéraux que Guillaume-Henri Dufour fut détaché par le canton de Genève pour alimenter cet état-major fédéral. Il y avait encore en plus un état-major du génie, un état-major de l'artillerie, un état-major judiciaire et l'état-major du commissaire des guerres. Et dans l'article, des articles 87 à 91, on parle de l'instruction. L'instruction de toutes les troupes de l'armée fédérale est à la charge des cantons. Ah, c'était comme ça. Cette instruction devait avoir exactement fonctionné selon les règlements d'exercice et de service adoptés par la Diète. Il y aura tous les deux ans des grands exercices exécutés par des détachements alternants de l'armée fédérale, donc ce qu'on appellera plus tard des camps fédéraux. Et pour les parties de l'instruction qui ne peuvent pas être traitées dans les cantons ou que partiellement ou difficilement, il est créé un établissement d'instruction militaire centrale, autrement dit une école militaire fédérale, destinée à produire l'accord nécessaire parmi les troupes des différents contingents par l'uniformité d'instruction des officiers et sous-officiers. Cette école militaire est destinée en première ligne à l'artillerie et au génie. Elle doit toutefois être aussi utilisée pour l'instruction des autres armes et de l'état-major général. Fin de citation. C'est là que le colonel fédéral Dufour fut engagé à titre de responsable de la formation tactique et du génie. Et le règlement comprenait finalement 36 tableaux détaillés sur la composition et l'état numérique des formations et du matériel. La mise en œuvre de ce règlement de 1817 varia passablement d'un canton à l'autre. Ceux-ci durent d'abord adapter leur propre législation militaire. On constitua de ce fait une commission fédérale d'inspection, constituée des délégués de la Diète et d'officiers fédéraux,
et ont pu constater en 1829 que la réorganisation était terminée, les acquisitions matérielles étaient en progrès, mais encore de manière très inégale selon les cantons, et l'instruction, elle, était très diverse, très dispersée et souvent négligée. Le règlement militaire général de 1817, et là vous avez un exemple des tabelles qui accompagnent ce règlement, fut modifié quelquefois par la Diète, notamment ou particulièrement dans ses tableaux chiffrés, pour tenir compte de l'évolution démographique, pour tenir compte des résultats des inspections fédérales dans les cantons, et pour tenir compte des enseignements des camps fédéraux. En 1831, plusieurs voix venues des cantons s'élevèrent pour demander une refonte de la loi de 1817, particulièrement dans le sens d'une simplification et d'une meilleure unification. Cela allait cependant à l'encontre du pacte fédéral de 1815. Et Madame Dubosson l'a dit, un pacte, c'est un pacte. Mais en parallèle, de nombreux cantons vivaient des réformes libérales, ce qui les poussa à demander une révision du pacte. On a cité le projet Rossi. Il en résulta un projet de pacte fédéral de 1832, une tentative de conciliation entre les tendances centralisatrices des cantons régénérés et les principes fédéralistes des cantons conservateurs. Ce projet voulait notamment donner plus de compétences militaires à la Confédération et plus de responsabilités à la Confédération, donc plus d'argent. Et c'est généralement là que la chatte a mal aux pieds. Les cantons d'abord intéressés renoncèrent les uns après les autres en 1833. La Diète reprit cependant le projet de révision du règlement militaire en 1834 et il mandata sa commission d'inspection ainsi que le quartier-maître général Guillaume-Henri Dufour, qui était devenu quartier-maître général, on dirait de nos jours, chef de l'état-major général en 1832, mais accompagné de l'inspecteur en chef de l'artillerie Salomon Hirzel et le commissaire des guerres en chef Henri Hirzel. Il y était question dans ce projet de refonte de l'élite et réserve en deux contingents égaux, d'augmentation numérique de l'effectif à 3% de la population, de modification de la pondération des armes, d'une meilleure répartition des charges entre les états-majors, de l'introduction d'un drapeau et d'une cocarde fédérale, d'une coordination et de l'inspection de l'instruction, ainsi de suite. Alors, ce projet eut d'abord un bon accueil. La Diète de 1835 approuva le projet, mais constata qu'il nécessitait plus de moyens financiers pour la Confédération. La Diète de 1836, hein, en juillet toujours, il siégeait en juillet, devait ratifier le budget subséquent. Mais la majorité s'éroda. On ajourna le sujet à 1837, à la recherche d'un compromis entre les cantons, et il fallut se rendre à l'évidence, les cantons demeuraient incapables de faire, à leurs aises et préjugés politiques, les sacrifices nécessaires à une meilleure loi militaire. Le 13 juillet 1838, la Diète ne put que constater l'échec définitif du projet. Le règlement de 1817 restait donc en vigueur avec quelques adaptations d'effectifs ou de normes de calibre, notamment lors des révisions en 1841-45. On dut faire avec pour les déploiements de troupes, en 1830 pour la protection de la frontière et de la neutralité, avec le général Guiguer et le chef d'état-major Dufour, en 1833 pour le service d'ordre à Bâle et à Schwitz, en 1838 pour l'affaire Bonaparte, en 1845 pour l'affaire des corps francs et des couvents d'Argovie, et en parallèle, par volonté politique et moyens financiers, les cantons libéraux modernisaient de leur côté et entraînaient leur contingent nettement plus
que les cantons conservateurs. C'est sur cette base que se présenta la campagne de 1847, le conflit du Sonderbund. D'un côté, l'armée fédérale, dite de la Diète, avec 13 cantons et demi. De l'autre côté, l'armée du Sonderbund, avec 7 cantons. Et un canton et demi, Neuchâtel et Appenzell Intérieur, restant neutres. J'avais eu l'occasion de vous en parler ici le 16 novembre 2022. Le temps passe vite. Hein. Les cantons basèrent leur mise sur pied sur la loi qui avait prévalu dans leurs préparatifs des dernières années, notamment suite à la révision de 1841. On leur avait dit comment est-ce qu'il fallait organiser les contingents, on leur avait dit comment est-ce qu'il fallait instruire les contingents, donc il n'y a pas de raison de prendre un autre modèle. Les contingents des cantons libéraux étaient pour l'essentiel bien équipés et entraînés. Certains cantons mirent même à disposition de l'armée fédérale des effectifs supplémentaires, hors contingent, mais tout aussi bien entraînés et équipés. Les contingents des cantons conservateurs étaient moins bien équipés ni entraînés, sauf peut-être ceux de Lucerne et Fribourg. Mais la plupart n'avaient eu que des servitudes infanterie dans la formation du contingent fédéral, ce qui affectait leur capacité interarmes. De plus, ils durent faire appel à leur Landsturm, mal équipés et peu, voire pas du tout entraînés. Je rappelle, je vous avais dit, dans les cantons conservateurs, le Landsturm s'entraînait en principe une fois par mois, pendant une heure de temps, après la messe du dimanche matin. Et ça s'occupait surtout à apprendre à manœuvrer en formation sur la place de l'église. De ce fait, on trouva face à face l'armée fédérale, aux ordres du général Guillaume-Henri Dufour, comprenant 96 bataillons d'infanterie, 59 compagnies de carabiniers, 34 compagnies d'artillerie, soit 98 000 hommes, articulés en 6 divisions, une division de réserve, une division de cavalerie et une division d'artillerie. Et de l'autre côté, l'armée du Sonderbund, aux ordres du général Johann Salis Solio, avec 46 bataillons d'infanterie, 23 compagnies de carabiniers, 16 compagnies d'artillerie, soit 37 000 hommes, plus les 47 000 tirés du Landsturm. Le Sonderbund capitula, canton après canton, entre le 25 et le 29 novembre 1847. Après la crise du Sonderbund, il fallut remettre en place des structures étatiques qui permettraient de vivre ensemble à nouveau, dans des conditions pacifiées. C'est d'ailleurs ce qu'avait clairement dit Dufour dans sa proclamation aux troupes en novembre 1947. Très rapidement, la Diète désigna une commission chargée de préparer une révision du pacte fédéral. Madame Dubosson vous l'a dit, ils ont travaillé très vite. Et en juin 1848, la Diète adopta la nouvelle constitution qu'acceptèrent successivement, parce qu'il n'y a pas eu de vote collectif, c'était chaque canton a été demandé, qu'acceptèrent successivement 15 cantons et demi contre 6 et demi. Hein, Uri, Schwitz, Obwald, Dietwald, Zug, Valais, Tessin et Appenzell Intérieur, comme quoi les blessures du Sonderbund n'étaient pas encore cicatrisées. Et c'est le 12 décembre 1848 que la Diète déclara que la Constitution fédérale de la Confédération suisse était acceptée et avait valeur de loi fondamentale. Elle comportait 114 articles, dont 4 touchait la chose militaire. En bref, on restait sur la base de contingents cantonaux, c'était une solution de compromis, mais on donnait plus de compétences à la Confédération en matière d'instruction et d'achat de matériel. Avant d'avoir pu ébaucher sa réforme militaire, la Confédération dut veiller à sa propre sécurité au milieu de l'Europe secouée par les révolutions de 1848. Les levées successives de troupes de 1848 et de 1849, tout comme la mise de piquet du sol du contingent, assurèrent la garde des frontières et préservèrent la Suisse de toute incursion étrangère. Le commandement en chef fut confié de nouveau au général Dufour, mais le tout fonctionna, faut le dire, sur la base du règlement militaire de 1817, révisé 1841. Mais ça fonctionna aussi grâce aux mesures pragmatiques du commandant en chef. Parce que du
Dufour était un pragmatique. Le Conseil fédéral, nouvellement nommé, se mit rapidement à la tâche en constituant dès janvier 1849 des commissions d'experts pour les lois d'organisation et d'instruction militaire, puis en présentant le 5 mai un projet complet à l'Assemblée fédérale. Ce projet, allégé de quelques dispositions réglementaires, triompha des délibérations des deux chambres et devint la loi fédérale sur l'organisation militaire de la Confédération du 8 mai 1850. Elle comprenait 150 articles et 18 tableaux. Elle était articulée en 8 chapitres. Cette loi n'est en apparence qu'une reprise dans les grandes lignes du règlement militaire général de 1817, révisé 41. Il est vrai que promulguée 2 ans après l'adoption de la Constitution, cette loi militaire se ressent d'une certaine, je dirais, lassitude législative du Parlement. Ils en avaient marre de légiférer. Mais de fait, c'est la mise en œuvre de cette loi qui fut beaucoup plus cadrée. Centralisation de l'instruction des armes spéciales. Seule l'instruction de l'infanterie reste en main des cantons. L'échelle révisée des contingents donne aux troupes fédérales une meilleure prévisibilité des effectifs. L'articulation des bataillons est fixée plus en détail. La numérotation est modifiée. Le commandement de l'armée est plus étoffé, mais l'articulation brigade-division sous les ordres des colonels fédéraux reste dépendante de la mise sur pied des contingents. Les inspecteurs des différentes armes sont plus nombreux et plus présents. Les écoles et cours pour les cadres sont augmentés. Les cantons reçoivent des directives plus précises et impératives quant à l'équipement des troupes et l'entretien de celui-ci. La loi militaire est en effet complétée par la loi du 2 décembre 1850 sur l'armement et l'équipement des carabiniers, par la loi du 27 août 1851 concernant les contingents en hommes, chevaux et matériel de guerre à fournir par les cantons, par la loi du 27 avril 1851 sur l'habillement, l'armement et l'équipement de l'armée. Le tout sera complété par un nombre de règlements et de directives qui visaient à améliorer l'unification de l'armée. Alors, ce tsunami réglementaire, je l'appellerai comme ça, était aussi la conséquence des compétences et responsabilités élargies données à la Confédération par la Constitution, mais aussi par le fait que, un, il y avait désormais un organe exécutif, le Conseil fédéral, qui n'existait pas auparavant, et l'un de ses membres spécifiquement en charge des affaires militaires. Donc il fallait bien qu'il s'occupe. L'état-major fédéral avait plus de personnel à plein temps. Et la situation internationale laissait craindre de fréquents besoins de mise sur pied des troupes pour la protection du pays et de sa neutralité. Donc, on a amélioré la mise en œuvre d'un règlement qui, de fait, datait de presque 40 ans auparavant. Situation internationale, en effet, dans les années 1850 et 1860, le nombre croissant de conflits internationaux alla en augmentant du fait de la montée des nationalismes et la violence des batailles alla croissant du fait de la puissance de feu déployée. Ce deuxième aspect était la conséquence de la technologie des armes en fort développement, mais aussi d'une amélioration progressive des infrastructures et des moyens de transport facilitant les déplacements et la logistique lourde. Je mentionnerai pour mémoire la guerre de Crimée en 1853-55, la guerre d'indépendance italienne en 1859-60, la guerre de sécession américaine en 1861-65, la guerre austro-prussienne en 1866. Ces conflits montrèrent à l'armée suisse, nota bene par le biais des journaux toujours plus diffusés et par l'utilisation croissante de la photographie à cette époque, ainsi que par l'envoi par la Suisse d'observateurs sur les différents théâtres d'opération, ça montra à la Suisse ce à quoi elle pouvait être confrontée si elle était appelée à se battre. Il y avait manifestement du pain sur la planche en ce qui concernait
la doctrine d'emploi des forces et l'équipement et l'instruction. Des officiers tels que le colonel fédéral Joachim Feiss, en tant que secrétaire du département militaire fédéral puis chef d'armes de l'infanterie, le colonel Hans Herzog en tant qu'inspecteur de l'artillerie, le colonel Hermann Siegfried en tant que chef du bureau de l'état-major fédéral, et l'incontournable Guillaume-Henri Dufour, toujours actif dans les cercles politiques et militaires. Tous ceux-ci firent de nombreuses interventions, conférences et publications pour expliquer la nécessité de moderniser notre armée, notamment dans les aspects des fusils à répétition et de l'artillerie rayée et à culasse. Mais l'acteur déterminant fut le conseiller fédéral Émile Welti, un personnage marquant de la Confédération au XIXe siècle. Argovien, radical, né en 1825, il fut conseiller d'État durant 11 ans et conseiller aux États durant 10 ans. Est-ce que vous connaissez Émile Welti? Vous devriez, parce que les Genevois n'en ont pas gardé un souvenir lumineux. En effet, il fut détaché à Genève en tant que commissaire fédéral, formulé différemment en tant que tuteur, en 1860 lors de l'affaire de la Savoie et en 1864 lors de troubles électoraux. À la fin 1866, il fut élu au Conseil fédéral où il restera actif jusqu'à la fin de 1891, soit pendant 25 ans. Il a occupé la tête de 4 départements différents et il a été 6 fois président de la Confédération. En 1867, en tant que chef du département militaire fédéral, il lance un projet de révision complète de la loi d'organisation militaire. Le projet Welti était une réforme fondamentale, centralisant l'organisation, l'équipement et l'instruction de l'armée. Le projet novateur fut largement débattu dans les sociétés d'officiers et dans les cercles politiques. Les débats remplirent plusieurs numéros des journaux tels que la Revue Militaire Suisse ou l'Allgemeine Schweizerische Militärzeitung. Je pourrais même, mais on n'en a pas le temps, vous lire la prise de position finale de la Société Militaire de Genève, adoptée dans sa séance générale du 25 août 1869. Inutile de préciser que sur l'ensemble de la Confédération, il y avait à peu près autant d'experts que de citoyens. Mais en parallèle, le projet ralentit du fait, premièrement, de la nomination de Welti à la présidence de la Confédération pour 1869 et de sa mutation automatique au département politique fédéral, autrement dit, l'ancienne affaires étrangères, où le président de la Confédération était systématiquement le responsable. De plus, de nombreuses voix argumentèrent que le projet ne pouvait être concrétisé qu'en relation avec une révision constitutionnelle, laquelle était de toute façon envisagée. Je rappellerai ici pour mémoire l'intermède de la guerre franco-prussienne de 1870-71, qui mobilisa une part importante de l'armée fédérale et freina le processus politique. Le commandant-chef, le général Hans Herzog, ne manqua pas de relever dans son rapport les déficits importants qu'il avait observés dans l'état de préparation de l'armée. En 1871, le Conseil fédéral et les Chambres reprirent le débat sur une révision de la Constitution. Celle-ci comportait de nombreux articles à introduire ou à réviser. Là encore, Madame Dubrosseau nous a parlé, mais souvent dans un sens centralisateur. En ce qui concernait le militaire, l'article 20 allait plus loin que le projet Welti et attribuait à la Confédération la législation militaire, les dépenses pour l'instruction et l'équipement, le matériel de guerre et le droit d'acquérir les places d'armes et les bâtiments militaires. La souveraineté cantonale n'avait d'autre compensation que l'exécution des mesures prescrites par les lois fédérales. Le projet de révision de la Constitution fut refusé par le peuple et les cantons lors de la votation du 12 mai 1872, le Conseil fédéral Welti, redevenu entre-temps chef du département militaire, reprit son projet de loi et veilla à le rendre compatible aux arguments des cantons.
il se fit conseiller par le général Herzog. 74, Dufour vivait encore, mais je pense qu'il s'en mêlait plus trop. Les colonels Paravicini, vous connaissez Paravicini? C'était le chef d'état-major de Herzog. Le colonel Wieland, le colonel Lecomte et le colonel Faitz. Le projet de révision de la Constitution fédérale fut remanié rapidement en tenant compte des arguments évoqués par les opposants durant la campagne de votation. Il en résulta un vote populaire positif le 19 avril 1874, 150 ans demain. La Constitution fédérale de la Confédération suisse entra en vigueur le 29 mai 1874 et le resta, avec des modifications, jusqu'au 18 avril 1999. Elle est restée 125 ans en vigueur. Elle comportait 128 articles, dont 12 concernaient la défense militaire et l'armée. Voilà, vous avez ici les éléments essentiels où je ne vais pas entrer, mais il y avait vraiment une volonté de centralisation et de cohésion, et surtout de chercher l'efficacité. Il y avait du compromis. On parlait de corps de troupes en lieu et place de contingents, mais en revanche, on les laissait en main des cantons. Mais par contre, l'instruction et l'armement passaient entièrement en main de la Confédération, ce qui était crucial pour l'efficacité. Le Conseil fédéral et le Parlement ne perdirent pas de temps et reprirent à leur compte le projet Velti remanié. Il en découla la loi fédérale sur l'organisation militaire du 13 novembre 1874, qui comportait 263 articles et 29 tableaux. Je ne les ai pas tous lus, mais j'ai quand même regardé un peu en travers. Elle s'articulait en 18 chapitres, comme ceux que j'ai marqués ici. Obligation de servir, classe et composition de l'armée fédérale. Je ne vais pas vous en faire une lecture fastidieuse. J'en retiendrai cependant les points suivants. Premièrement, la loi assure l'obligation de servir. Cette fois, tous les conscrits reconnus aptes sont astreints de 20 ans à 44 ans. C'est l'administration fédérale qui procède au recrutement et à l'attribution dans les différentes armes. Deuxièmement, l'armée fédérale ne connaît que deux classes. L'élite, les deux classes les plus jeunes d'âge, et la Landwehr. Le nom de réserve a disparu. Le Landsturm n'est pas encore recréé au niveau fédéral. Cette armée comprend les armes suivantes, infanterie, artillerie, génie, troupes sanitaires, troupes d'administration et quelques troupes spéciales. Troisièmement, toute l'infanterie, l'artillerie et la cavalerie sont des troupes cantonales, tandis que certaines armes spéciales restent fédérales. Toutes les unités, tant fédérales que cantonales, sont réparties par le Conseil fédéral en 8 divisions organiques, toutes organisées en brigades, régiments et bataillons. La numérotation des unités et des corps de troupes est systématisée, en commençant à l'ouest, à Genève. C'est Genève qui a quasiment toujours les plus petits numéros dans les organisations. L'infanterie de la Landwehr devait également être répartie en brigades et régiments, mais la chose fut remise à plus tard. En matière d'instruction, la centralisation fut atteinte dans la mesure où toutes les écoles et cours dépendaient de la Confédération. Mais les durées étaient encore très disparates. L'école de recrue de l'infanterie durait 45 jours, celle de la cavalerie 60 jours, celle de l'artillerie 55, le génie 50, les sanitaires 45. Les cours de répétition de la cavalerie duraient 10 jours par an, infanterie 16 jours tous les 2 ans, l'artillerie 18 jours tous les 2 ans, et le génie 16 jours tous les 2 ans. L'école d'officiers d'infanterie 42 jours, cavalerie 60 jours, artillerie 105 jours, il fallait qu'ils apprennent à calculer, le génie 63 jours, le sanitaire 28 jours, mais donc en parallèle, il y eut une augmentation sensible des effectifs des instructeurs sous la direction de chefs d'armes. Et cinquièmement, la loi faisait une distribution beaucoup plus précise des charges et des compétences de la Confédération et des cantons
ainsi que des droits et devoirs respectifs du Conseil fédéral et du général. Ce fut presque sans transition que le nouveau régime militaire fut mis dans la pratique. En 1876, tous les bataillons d'élite avaient achevé leur premier cours de répétition dans le nouveau système. En 1877, débutèrent les manœuvres de division et dès 1878, on acquit de nouvelles pièces d'artillerie. Mais durant le dernier quart du 19e siècle, il fallut bien constater la nécessité d'introduire toujours plus de matériel nouveau, de créer des armes supplémentaires, troupes de fortification, troupes de transport, troupes de subsistance, pour exercer des tâches nouvelles, d'allonger la durée des écoles et des cours pour mieux maîtriser l'instruction technique et de combat, de flexibiliser l'organisation opérative, de gérer avec soin l'administration et l'intendance. Des officiers tels que les colonels Feist, déjà cités, Villet, futur général, ou Sprecher, s'engagèrent pour plus de rigueur, plus d'équipement et plus d'entraînement. Mais les débats, autant politiques, le Parti socialiste pointait le bout de son nez, que militaires, les boulangistes versus les Prussiens, furent nombreux et véhéments. Il en ressortit néanmoins, après deux échecs et deux référendums, une révision complète et l'adoption de la loi fédérale sur l'organisation militaire de la Confédération du 12 avril 1907. Elle comportait 222 articles, hein, ça vient toujours plus petit, c'est loin, dont je ne retiendrai que les éléments suivants. Obligation de servir de 20 à 48 ans, classe de l'armée élite, Landwehr et Landsturm, éléments de l'armée, état-major, état-major général, 9 armes distinctes, des services auxiliaires, des services complémentaires. Subdivision de l'armée, unité de troupes, corps de troupes, bataillons, groupes, régiments, brigades et unités d'armée, les divisions et nouvellement les corps d'armée. Les troupes cantonales, ce n'étaient plus que les compagnies et bataillons de l'infanterie et les escadrons de dragons. Tandis que toutes les autres unités, corps de troupes et état-major, étaient des troupes fédérales. L'instruction des recrues fut prolongée, pas autant que maintenant, mais quand même, et les cours de répétition intensifiés, tout le monde faisant service, en principe, chaque année. Pour ceux parmi vous, messieurs, qui, comme moi, ont leur carrière militaire derrière eux, cela résonne comme du déjà vu ou du déjà entendu. En effet, cette loi militaire de 1907 reste en vigueur, avec des adjonctions et adaptations jusqu'en 1995, donc pour une durée de 88 ans, où elle fut remplacée par la nouvelle loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire. Mais cette longue durée de validité montre à quel point notre organisation militaire avait atteint, avec cette loi de 1907, un solide degré de stabilité des rapports entre la Confédération, canton et citoyens face aux besoins de la défense commune. Alors j'ai essayé de résumer le tout de manière synthétique et schématique, et systématique plutôt, en m'appuyant sur les dates clés que j'ai déjà évoquées. Alors j'ai repris les dénominations que j'ai utilisées pour les périodes ainsi formées et qui correspondent dans beaucoup de cas à ce que vous a aussi dit Madame Dubosson. Je suis bien conscient que les transitions n'ont pas toujours été aussi nettes et fixées à une date de 1er janvier ou de 30 juin. Mais on peut y placer l'évolution des dispositifs constitutionnels que nous a bien expliqué Madame Dubosson et que j'ai rappelé comme élément. Et on peut superposer les dispositifs législatifs militaires qui en ont découlé, y compris ceux qui ont échoué. Et finalement, je ne vous demanderai pas de les lire parce qu'on ne fait pas de test après coup, mais j'ai tenté de décrire les compétences respectives des cantons et du pouvoir central, quel qu'il fût au cours des décennies, dans les domaines du recrutement, de l'organisation des troupes, de l'organisation du commandement, de l'équipement et du soutien, et de l'instruction. Alors les puristes
pardonneront les approximations un peu trop généreuses et m'excuseront des éventuelles erreurs. Mais c'est une des raisons pour lesquelles mon schéma est écrit si petit, donc difficilement lisible. La seule chose que je vous prierai de constater, c'est l'évolution assez longue, sur près de 100 ans, d'un appareil militaire dépendant initialement presque uniquement des cantons, jusqu'à une organisation dépendant presque uniquement de la Confédération. Voilà, mesdames et messieurs, j'arrive au terme de mes considérations. Nous avons survolé tout le XIXe siècle pour observer le lent et parfois laborieux chemin depuis les contingents cantonaux jusqu'à l'armée fédérale. Mais cela se fit également en parallèle des profondes transformations politiques que réalisa notre pays. Et le tout fut le résultat de tendances libérales et de mouvements conservateurs, de tensions allant jusqu'au conflit, de recherche du meilleur face à un contentement du bien, du respect des uns et des autres, de la capacité de compromis, mais toujours avec un objectif commun, la liberté et l'indépendance de notre pays, de son territoire et de ses habitants. Je vous remercie de votre intérêt et de votre bienveillante attention. Si vous voulez plonger un peu plus dans la littérature, il y a la liste ici, mais il y a certains textes comme le règlement militaire de 1807 qui est écrit en allemand, en gothique, corse, c'est assez pénible à lire. Voilà. Merci infiniment. Je me permets de remettre ce livre. C'est la traduction française du dernier-né de nos amis suisses-allemands sur Dufour, en version française. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Merci.